comme une trompette. Comme une trompette, pourquoi? Pas dans la trompette. Entre moi, souffle, on aurait pu l'appeler comme ça. Comment? Quand on va dehors et que ça souffle. Je vous aide. Des instruments avant. Eh bien oui, c'est un instrument avant. Et puis ensuite, une fois que ces savoirs sont organisés, c'est le troisième stade de la pédagogie des centres d'intérêt, la communication. Alors, vous regardez attentivement, écoutez bien ce que je vais demander. Attentivement les harmonicas, on va les classer. Tu les bouges évidemment. Hein. Comment ils sont mis ces ensembles? En tête sont mis par ordre. Par ordre, mais quel ordre? Par grandeur. Par ordre de grandeur. Par ordre de grandeur. Croissant. Est-ce qu'on voit comme ça que c'est l'ordre croissant? Nous travaillons uniquement à partir de la réflexion des enfants, à partir de leurs propres découvertes, de leurs questions et des réponses qu'ils trouvent. Le principe de globalisation, pour De Croly, c'est l'affirmation que l'enfant a une vie qui est un tout. Et les apprentissages scolaires doivent être intégrés dans ce tout. Il y a là, on l'imagine mal aujourd'hui, une rupture radicale avec la manière d'enseigner à l'époque. Quand il s'agissait d'apprendre à lire, par exemple, eh bien, on devait prendre un livre de lecture qui racontait des histoires qui n'avaient aucun rapport avec la vie des enfants. Et puis sur ce livre de lecture, eh bien, b.a.b.a., on épelait les syllabes. De Croly propose d'intégrer la totalité des activités, y compris les activités extrêmement intellectuelles, comme la lecture, l'écriture, le calcul, dans cette vie globale de l'enfant. Si on a observé une grenouille dans un marais, on éprouvera le besoin de raconter aux autres enfants de l'école ce qu'on a vu dans le marais, de l'écrire éventuellement dans le petit journal de l'école. On éprouvera le besoin de se renseigner sur les mœurs des grenouilles et par conséquent, on ira chercher dans un livre ce que l'on peut trouver sur les mœurs des grenouilles. Résumé en une phrase, qu'on voit par terre. D'accord. Vous regardez bien ce que dit Gaël, si c'est juste. Dans ces conditions, pour De Croly, apprendre à lire, apprendre à écrire, ça se passe tout le temps, quasiment partout et à chaque instant de la vie de la classe. Je vais l'écrire, cette phrase. L'instituteur parle, il y a des mots qui sont entendus, des mots qui sont connus. Certains de ces mots vont être écrits au tableau et vont être reconnus par l'enfant. Toute la phrase. Le plein de maïs est plus grand que nous. Voilà. Au lieu de partir de la lettre le plus simple pour aller jusqu'à la phrase le plus compliqué, on part de ce qui peut apparaître le plus compliqué mais qui fait sens pour l'enfant, qui veut dire quelque chose pour lui, pour aller progressivement par découpage successif jusqu'à la lettre, à l'élément fondamental, à l'élément premier, qui va être ensuite réutilisé pour reconstruire de nouveaux mots et de nouvelles phrases. Tout ce qui est accroché au mur, ça fait partie des surprises. Donc toutes les phrases, le gros escargot a gagné la course. On a fait une course d'escargot. Voilà, on a fait une course d'escargot, un enfant avait apporté 3 escargots. Et alors, on a fait, et c'était très enrichissant parce qu'on avait dû d'abord faire tout un règle de jeu. Qui gagne, quel est le point de départ, comment on va les différencier. On retrouve aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles qui ne se revendiquent pas nécessairement de Croly, mais plus généralement de la mouvance de l'école nouvelle. L'idée que, effectivement, c'est la méthode globale qui est la bonne méthode pour apprendre à lire et à écrire. Et si elle est la bonne méthode, c'est parce que c'est la méthode qui privilégie le sens, la signification, le fait que l'enfant fait des liens entre sa vie et son apprentissage par rapport à la répétition mécanique de gestes. Moi, j'avais trouvé que là, il y a ce matin, comme ce matin, Kevin a perdu sa dent. On a ce matin. Ben là, le chut, eh ben, il n'est pas pareil que celui qu'on a entouré là-haut. Oui, que ici, il y a un A après.
Qu'est-ce qu'on a dans le bruit? Des haches, et tu as raison. Blanche, blanche. Alors d'où vient le malentendu de la méthode globale? Probablement du fait que cette méthode a été appliquée en dehors du contexte pédagogique qui était celui proposé par De Crolly. Repérer les mots dans leur globalité, comprendre les phrases dans leur sens, cela est possible si ces phrases sont issues de la vie quotidienne de l'école, si elles ont été construites à travers les activités mêmes des enfants. Le problème, c'est qu'on a utilisé cette méthode avec des phrases, avec des mots qui étaient arbitraires. On demande aux enfants de photographier la phrase, mais cette phrase ne fait pas sens pour eux, ils ne la comprennent pas, ça n'est pas relié à leur vécu, ça n'est pas relié à leurs actions. Il reste que dans la plupart des écoles aujourd'hui, on utilise une méthode mixte, c'est-à-dire une méthode qui emploie à la fois la globalisation, fait reconnaître des ensembles, mais qui attache aussi beaucoup d'importance à la décomposition, à l'analyse des différents éléments de ces ensembles. Alors pourquoi la globalisation reste-t-elle présente? Eh bien, de toute évidence, parce que nous savons aujourd'hui que lire, ça n'est pas déchiffrer, que lire, ça n'est pas mettre son doigt au-dessous de lettres que l'on reconnaît successivement. Lire, c'est percevoir des ensembles, c'est prélever des indices, et c'est donner du sens à un texte, donner du sens, opération que De Crolly avait admirablement décrite à son époque. Depuis que Guizot, sous Louis-Philippe, a créé le corps des inspecteurs de l'instruction publique, la visite de monsieur l'inspecteur dans une classe primaire est un événement tout à fait extraordinaire. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Monsieur l'inspecteur arrive, c'est un personnage austère, sévère, craint de tous, du maître comme des élèves. Il incarne l'autorité de la République. Jules Ferry disait qu'en regardant sa montre, il pouvait savoir à chaque instant, grâce à ses inspecteurs, ce que faisait chacun des élèves de France. Eh bien, parmi ces inspecteurs, il y a quelques années de cela, un homme a pris systématiquement le contre-pied. Un homme tout à fait étonnant, un révolutionnaire en quelque sorte par rapport à sa fonction, qui va venir complètement subvertir cette image de l'inspecteur qui vient contrôler en en faisant un inspecteur qui vient autoriser, qui vient rendre la liberté aux élèves et aux enseignants. Et cet inspecteur-là, cet homme tout à fait fantastique, c'est Roger Cousinet. Roger Cousinet, né en 1881 dans une famille bourgeoise, aisée, cultivée, un peu artiste, et qui va l'aider à développer sa personnalité très originale. Cousinet tentera de rentrer à l'école normale supérieure, il échouera le concours, et très vite, d'une manière assez étrange, il souhaitera devenir inspecteur de l'instruction publique. Mais pour être inspecteur, il lui faut d'abord être instituteur. Et comme Cousinet ne fait rien à moitié, que c'est un homme qui se donne tout entier dans ce qu'il fait, il va étudier, il va rencontrer des gens aussi différents que Binet, Durkheim, il va étudier Dewey, il va travailler avec De Crolly, avec Claparède, avec Ferrière, aller voir Maria Montessori. Il va ainsi se constituer un système de pensée qui est déjà le système de pensée de ce que l'on appellera l'éducation nouvelle. Pour transmettre ces valeurs, valeurs centrées sur l'activité de l'enfant, il fonde une revue, L'éducateur moderne. De 1910 à 1941, il sera effectivement inspecteur primaire, d'abord dans l'Aube, ensuite dans les Ardennes, puis enfin en Seine-et-Oise. Avec un petit groupe d'instituteurs volontaires, il met au point sa méthode, la méthode de travail libre par groupe, la méthode
pour laquelle il va militer toute sa vie et qu'il va tenter de propager auprès des enseignants qu'il est chargé d'inspecter et en réalité qu'il voudrait bien libérer du carcan de l'inspection. Après la Deuxième Guerre mondiale, Roger Cousinet, au fait de la célébrité pédagogique, deviendra enseignant lui-même à la Sorbonne, théorisera d'une manière beaucoup plus structurée son système pédagogique et à ce moment-là, entretiendra des rapports avec les grands intellectuels et pédagogues de l'époque qui disent tous la dette qu'ils ont à son égard. J'ai été à la Sorbonne. Il y avait Piaget et Cousinet, aussi vieux l'un que l'autre, aussi fermes dans leurs décisions, dans leur discours. Et c'était pas passionnant du tout, parce que M. Cousinet parlait très bas, complètement dans sa barbe. Il avait déjà 70 ans au moins. Mais ce qu'il disait était formidable. Il regarde Cousinet sur les enfants. C'est fabuleux. Dans son petit livre, « Fais ce que je te dis », c'est incroyable. Il est sûr que les enfants vont y arriver. Moi, j'avais absolument acquis cette certitude aussi. J'ai eu vraiment de la facilité à être enseignante parce que j'étais absolument sûre qu'ils y arriveraient là où ils devaient arriver. Il faut, dit Cousinet, que le maître s'arrête d'enseigner pour que les élèves commencent à apprendre. Voilà un renversement qui peut paraître particulièrement révolutionnaire, scandaleux pour l'époque. C'est que Cousinet a observé un certain nombre de choses en tant qu'inspecteur et il a vu beaucoup de classes. Il sait que dans beaucoup de classes, eh bien, les élèves y font de la figuration, c'est le maître qui travaille. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit les élèves qui travaillent et non pas le maître. Ainsi écrit-il, à l'école le matin, le maître demande aux élèves d'entrer parce qu'il a besoin d'eux, lui le maître, pour faire sa classe. Dans l'école nouvelle que je propose, ce sont les élèves qui demandent au maître d'entrer parce que les élèves pourront avoir besoin de lui pour apprendre. Mettre l'enseignant au service des élèves, c'est supposer que les élèves sont capables de s'organiser, sont capables de travailler presque seul. Cousinet le croit. Il le croit parce qu'il a observé, il a regardé aussi des élèves au travail, il a regardé même des enfants tout jeunes travailler. Il a même élaboré des concepts assez fins, montrant que quand des enfants semblent se battre entre eux, en réalité, ils cherchent à coopérer maladroitement. L'hypothèse de Cousinet, c'est qu'il y a une sorte de nature socialement positive de l'enfant. L'enfant, quand il n'est pas contraint, quand il n'est pas inscrit dans un système de rivalité institutionnelle organisé par les notes, les classements, les compositions, l'enfant, quand il est véritablement lui-même, il coopère avec les autres de manière positive et constructive, et c'est comme ça, pense Cousinet, qu'il va vraiment apprendre. Marie, c'est elle qui a créé cette école, c'est-à-dire qu'avant elle, elle n'y était pas à l'école. Là, il y a des parents, des enseignants et des enfants qui sont mis tous ensemble il y a très longtemps. Pour faire une école. Alors, je suis restée 13 ans à la source, une école nouvelle, fondée par Roger Cousinet. J'étais institutrice en CM1, CM2, à peu près tout le temps. Et je suis revenue pour fonder une école nouvelle, ça absolument. Hein, ça m'avait tellement passionnée. Je me suis dit, mais ça doit pouvoir se faire ailleurs et je vais aller le faire chez moi à Toulouse, c'est ma ville. Ça a été une école nouvelle. Ça a plu aux enseignants. Ils sont entrés vraiment très contents, très actifs. C'était formidable. C'était très, très intéressant. Je suis très attachée au travail de Roger Cousinet. Ce n'est pas des activités, comment dire, des méthodes actives. C'est même le contraire des méthodes actives. On n'anime pas les enfants, c'est eux qui s'animent, hein, si je me permets. Qu'est-ce que c'est qui t'arrête là ? Hein ? T'es pas arrivé là ? Voilà, on va regarder là. Là. Alors, on est là comme accompagnateur, comme créateur d'environnement, puisque quand même, on sait où on va. Les adultes savent où ils vont. Ils ont l'air de suivre les enfants, ils les suivent, mais en sachant où ils vont. Ici, il n'y a pas d'estrade, il y a des petits coins où ils peuvent se cacher. Nous, notre cour est très grande, on n'a pas tous les enfants sous l'œil. Et c'est ça, la confiance aussi dans les enfants, dans les règles posées, dans la responsabilisation, c'est tout ce travail-là. L'enfant est une personne
qui est responsable. Roger Cousinet résume sa méthode par une formule très simple, radicale. Libre constitution des groupes, libre choix par chaque groupe de son travail. Chacun travaille avec qui il veut et sur ce qu'il veut. À partir du moment où les groupes sont au travail, le maître n'intervient pas non plus. Chaque groupe doit pouvoir mener son travail à son terme, faire son dossier, faire un panneau, une affiche, sur le système solaire, les volcans, sur un livre, sur une question qui intéresse les élèves et qu'ils vont ensuite présenter à la classe. Hugo, tu fais une enquête sur quoi? Leonardo, vas-y. C'est demi-tortue, demi-serpent. Et là, il y a un mec. Je pourrais me planter au tableau et faire un cours sur les grandes époques, l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, ceci, cela. Mais je pense pas que ça accrocherait de la même façon que si chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Quoi. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose, chacun amène un petit bout d'histoire. À partir de ça, on commence à avoir une notion de ce qu'est l'histoire, la notion de temps, parce que c'est quand même une notion assez complexe. Il part pour la Chine avec son père et son oncle. Alors il commence à faire le tour de la Chine. On va faire une frise chronologique. Donc, en fait, on avait eu l'idée, pour la baser d'un certain endroit à un autre, de prendre la plus vieille personne, de, par exemple Nefertiti, qu'a pris Louise, jusqu'à Neil Armstrong, par exemple. Il y a plein de thèmes, et puis on en a choisi le plus près, on l'a mis sur la frise. Quoi. On a dit que ça commencerait là. Il a fait surtout le tour de la Sibérie et Saint-Jean d'Arc. Marco Polo, il est né en Chine. Hein. Alors là, écoute, ça, c'est à toi de le vérifier. Moi, je ne connais pas la vie de tous ces gens par cœur. Moi, je crois qu'il a fait des voyages en Chine. Il doit être portugais, espagnol, italien, j'en sais rien. Il faut que tu ailles vérifier ça. Pendant ce temps-là, le maître est à leur service. Il met aussi à leur disposition des outils, tous les outils possibles, des livres, des collections d'encyclopédies. Et puis, quand le groupe considère que son travail est à peu près présentable, eh bien le maître intervient, non pas pour corriger les fautes, mais pour les indiquer. Le groupe peut alors retravailler sur ces fautes-là, jusqu'à la stabilisation d'une version définitive de ce travail qui sera présentée à la totalité des élèves. Allez, premier Pascal. Poli, Polo. Polo, Marco. Ça y est, maître de Marco. Alors, Polo, Marco, voyageur, vénéticien. Ça, c'est des châteaux, à part là. À 26 ans, il révolutionne la peinture. Il révolutionne la peinture. Même pas, Maxime. Il fait des voyages en Chine, mais il n'est pas né en Chine. C'est l'heure de la récré, Bruno ? Le maître, dit Roger Cousinet, dans ce système-là, n'enseigne plus, il renseigne, il permet à chacun de trouver lui-même le savoir et les savoirs qui sont nécessaires aux apprentissages fondamentaux qui doivent s'effectuer à l'école. Là, regarde ce qu'il a écrit. Esquisse. Qui c'est Is ? Ici. Ah, il est seul alors, ou ils sont plusieurs là ? Ils sont plusieurs. Alors, travailler en groupe, c'est sans doute, comme le voulait Roger Cousinet, une exigence encore essentielle aujourd'hui. Mais les conditions ont changé. Les conditions ont changé, les classes sont plus difficiles, et le maître, sans reprendre une posture magistrale et redevenir un simple transmetteur de savoir, doit être plus attentif à la façon dont les groupes s'organisent. J'entends pas Charlotte, les amis, là, si vous parlez. Vas-y, redis-moi, Charlotte. Il doit veiller à ce que chacun puisse bien s'exprimer dans le groupe, à ce qu'il n'y ait pas des personnalités qui empêchent les autres de parler. Il doit aussi veiller à ce que le groupe puisse permettre à tous d'acquérir véritablement de nouveaux savoirs. Garantir que chacun s'implique, garantir que chacun acquiert, voilà les deux fonctions essentielles du maître aujourd'hui pour un travail de groupe qui respecte les valeurs de solidarité et qui en même temps soit pleinement et complètement une occasion d'apprendre.